J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une semaine dans mon assiette spéciale. L'œil langue, c'est le thème que vous avez choisi donc pour cette semaine grâce au sondage Instagram et YouTube. Donc du coup, le livre de Lloyd, pour la petite histoire, je l'ai découverte peu de temps après le début de mon véganisme, donc il y a plus d'un an et demi, hein, parce que je suis devenue végane en mai 2020. Et donc, j'ai acheté très rapidement son livre après l'avoir découverte sur YouTube. Et franchement, j'ai kiffé ses recettes. Elle est vraiment, vraiment, j'adore ses recettes. J'adore son contenu. En plus, elle fait souvent des recettes mexicaines. Et ça, c'est vraiment typiquement des plats que j'adore, hein, comme les plats asiatiques, les plats italiens. Enfin, il n'y a pas beaucoup de choses que je n'aime pas, en fait. Et du coup, j'avais pas mal testé au tout début. J'ai vraiment dévorer son livre. Je pensais avoir fait les trois quarts de son livre et en fait pour cette vidéo je me suis rendu compte que non du tout. Il y a 80 recettes dans ce livre et comme vous pouvez le voir j'ai mis des petits post-it. Voilà tout ce que je n'ai pas fait, ce qui correspond en fait à la moitié. Alors 40 recettes testées c'est quand même pas mal, hein, c'est vrai, c'est quand même beaucoup. Mais en fait il y en a encore la moitié à tester donc j'avais de quoi faire pour cette semaine dans mon assiette. Du coup, je vais vous dévoiler tout ça tout au long de la semaine. J'espère que ça va vous plaire. Donc, bah, c'est parti, on commence tout de suite. Du coup, pour le premier petit déjeuner de la semaine, j'ai décidé de faire un pain perdu. Donc pour cela, j'ai fait le pain de mie du e-book de Fanny Angel que j'adore, qui est vraiment bien moelleux. Et donc, j'ai fait la recette de Lloyd. Donc, c'est une sorte de pâte à pancake qu'elle utilise pour faire son pain perdu. Et c'est vraiment divin. Donc, avec les fruits et bien sûr, sans oublier le sirop d'érable. Vraiment, ce petit déjeuner était monstrueusement bon et bien complet. Pour le midi, j'avais envie de faire le curry de pois chiches. Et vraiment, il était encore une fois monstrueusement bon. Vraiment, j'ai vraiment adoré. En plus, c'est hyper simple à faire, hyper rapide. Donc, un repas comme je les aime. Alors, cette recette, ça fait très très longtemps que j'avais envie de la tester et j'avais pas encore eu l'occasion. Donc là, c'était le cas. Donc, ce sont des quesadillas. Donc, vraiment super simple. C'est des galettes de tortilla fourrées avec un crémeux de maïs, des tomates cerises et un guacamole. Et franchement, le combo était mortel. J'ai vraiment adoré et je compte bien en refaire. Ce jour-là, exceptionnellement, je n'ai pas mangé de goûter parce que je n'avais pas faim. Donc j'ai plutôt fait cette recette le soir pour le dessert. Donc j'ai fait ces cookies au beurre de cacahuète et aux cranberries. Et franchement, ils étaient trop bons. Même mon homme qui n'est pas fan du beurre de cacahuète a adoré ces cookies. Et vraiment, ça change de tous ceux que j'ai déjà mangés. On passe au lendemain avec le petit déjeuner et là j'ai eu envie de tester les fameux toasts peanut butter et jelly, donc c'est-à-dire la beurre de cacahuète et confiture. Au départ j'étais pas convaincue de ce mélange, un peu comme l'histoire du yaourt avec la compote de pommes et quand j'avais goûté, vous le savez, j'avais adoré. Donc là j'ai voulu mettre fin aux idées reçues et tester pour la première fois ce combo et en fait j'ai été agréablement surprise. C'était encore une fois un combo de malade, hyper simple à faire, hyper gourmand et vraiment je vous le recommande. Pour midi, encore une fois, j'avais envie de tester une nouvelle recette mexicaine parce que celle-là aussi, ça fait un moment qu'elle me faisait de l'œil et que je n'avais pas encore testé. Donc ce sont des chilaquiles. Franchement, c'est un plat de folie. Vraiment, c'est des tortillas toastées avec un crémeux de pois chiches, de tomates, d'épices, mélangé avec donc de l'avocat, des oignons rouges et aussi du yaourt de soja. Franchement, ce combo mais vraiment était mortel. Pour le goûter, j'ai eu envie de tester sa version de banana split allégée. Et franchement, j'ai pas été déçue une seule seconde. D'ailleurs, mon homme m'en a réclamé et j'y en ai fait parce qu'il n'est pas très goûté. Et il a adoré parce que lui, le banana split, c'est sacré. Et franchement, cette version était simple mais complètement délicieuse. Évidemment,
Pour le petit côté gourmand, j'ai rajouté une sauce au chocolat, alors que normalement dans la recette, c'est des petits morceaux de chocolat concassés, mais j'ai préféré le coulis. Pour le soir, j'avais un peu beaucoup faim, donc j'ai eu l'idée de faire ce pad thai qui est bien complet. J'avais pas encore testé sa recette parce que j'en ai déjà fait d'autres, mais franchement, celle-là, j'ai été bluffée, elle était vraiment super bonne. Avec une sauce à base de beurre de cacahuète, une sauce thai, franchement, c'est waouh. Donc, avec des légumes de saison, des petits edamame, des cacahuètes, oh là là, c'était trop bon. Pour ce troisième jour, j'avais envie de fruits au petit déjeuner, donc j'ai voulu tenter sa salade de fruits d'hiver. Donc il y a des clémentines, de la banane, de la pomme et du kiwi. Avec dessus un peu de granola, des amandes effilées et du yaourt, ce petit déjeuner était super bon. Alors cette recette, je devais la faire déjà le premier jour, mais à chaque fois je l'ai retardée parce que les lasagnes, il y avait plus d'une heure de cuisson, donc il fallait vraiment que je trouve un moment pour les faire. Et je ne regrette pas, car ces lasagnes au fromage, ricotta et épinards étaient une tuerie. Vraiment, mon homme qui n'est pas très fan de ricotta ou d'épinards a adoré cette recette. Moi aussi, avec le parmesan d'amande, franchement c'était un combo de ouf, c'était crémeux à souhait, c'était trop bon. Pour ce quatrième jour, au petit déjeuner, j'ai eu envie de tenter son fameux crunchy granola, qu'il me semblait avoir testé et en fait non. Du coup, le voici. Alors, il est vraiment super bon. En plus, je l'ai fait à la air fryer, donc c'était vraiment nickel. Il est vraiment comme il faut, avec des pépites, pas forcément grosses, parce qu'en fait, ça colle à la fin quand ça refroidit. Mais vraiment, il était trop bien. Donc, j'ai fait comme elle, j'ai mélangé avec du fruit, du yaourt et des amandes. Mais vraiment, ce granola était vraiment succulent. Là, je vais vous montrer une plus grosse pépite. Voilà, vraiment, c'est trop bon. Du coup, je fais une petite pause dans ma semaine, dans mon assiette. Donc, nous sommes jeudi, comme vous avez pu le voir. Mais vous avez dû vous rendre compte que mercredi, il y avait des plats manquants, puisque je vous ai montré que le petit déjeuner et le repas de midi. Donc, c'est tout à fait normal. En fait, en ce moment, on est complètement décalé avec mon petit mari, vu qu'il travaille de nuit. Et du coup, bon, on a eu des péripéties qui fait que bah, j'ai dû le suivre, entre guillemets, dans ses horaires. Donc, résultat, j'ai mangé hier mon petit déjeuner, il était 11h30, on a mangé le repas, il était 3h30, et donc du coup on arrive à 19h, j'avais un peu faim, mais pas énorme non plus. Et on avait pas mal encore de restes de la semaine dernière au niveau des goûters, et comme je voulais pas que ce soit gaspillé, donc j'ai mangé ce qui restait, donc c'était un brownie à la banane et des cookies au beurre de cacahuète que j'avais fait, c'était une recette de Aude, The Green Quest sur Instagram, parce que j'avais des restes de bananes à faire, et du coup, bah voilà, pareil, hein, pour anti-gaspi, donc j'avais fait la recette. Donc on a mangé ça hier soir et en fait après je me suis couchée, il était minuit mais j'ai pas remangé entre temps, j'avais pas faim. Donc voilà, donc il y avait que deux repas montrés en tout cas. Et ce matin donc je vous ai montré le granola et là ce midi bah écoutez je vais remanger les lasagnes d'hier parce qu'en fait c'était soi-disant pour deux personnes mais moi j'ai trouvé plutôt que c'était pour quatre. Et bah il me reste une part donc du coup pareil je vais manger les restes et puis je recuisinerai tout à l'heure. Alors, on arrive au dernier jour de cette semaine et là, j'ai voulu tenter un truc inédit. Vous le savez à quel point je n'aime pas les boissons chaudes et là, j'ai voulu tenter sa recette de matcha latte. Je me suis dit, allez, on va tenter, peut-être que par miracle, ça pourra me plaire, je sais pas. Donc, je l'ai accompagné d'un bol de granola, donc la recette d'hier. Et du coup, je vais déguster avec vous ce matcha latte pour vous dire en temps réel ce que j'en ai pensé. Bon. Testons. Ça se boit. C'est pas mauvais. On sent bien l'amande. On sent quand même le matcha. Après, c'est pas un café, donc déjà, c'est ça. Parce que moi, le café et l'odeur, j'arrive vraiment pas. J'y arrive pas, même en le mélangeant avec du chocolat. Mais là. J'avoue, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que si je peux réussir à trouver autre chose à boire le matin que du jus d'orange, franchement, c'est tout bénef. Ah.
Juste, elle conseille de boire ce matcha latte avec des dattes. Donc, j'ai ressorti mes Sukari que j'avais acheté chez Dattelman. Et on va voir si c'est meilleur. Donc, je vous remonte les dattes hein, qui étaient vraiment des petits bonbons. On va enlever là. On va enlever le noyau. On va en goûter. Il faut vraiment que je fasse un caramel de date avec, mais en ce moment, je manque de temps. Donc, voyons voir. C'est vrai que ça se marie trop bien, en fait, parce que justement, je trouvais que ça manquait un peu de sucre. Ouais, le mélange des deux, franchement, je suis bluffée. On a peut-être trouvé enfin un gagnant. Bon, du coup, je reviens après la dégustation de mon petit déjeuner. Franchement, le matcha latte, une belle surprise. J'aurais pas cru, mais j'ai tout bu. C'est vrai que c'est juste que ça manque un peu de sucre. Et en plus, le matcha que j'utilise est vraiment un truc bas de gamme. Donc, je pense qu'à mon avis, si j'achète du bon matcha, ça devrait être bien meilleur. Donc, une idée à creuser. Et sinon, bah, je voulais aussi vous reparler d'hier, parce que comme vous avez pu le voir, bah, il n'y avait pas de repas hier soir. En fait, tout simplement, j'ai mangé les restes. J'ai fini trop tard ma formation hier soir. Et du coup, bon, je me voyais, j'avais pas le courage, désolée, de cuisiner. Et il y avait encore des restes de la quesadillas que j'avais faite. Donc du coup, bah, je me suis refait ça. Donc, sauf que je me suis pas embêtée à refaire le guacamole et à griller tout ça au four. J'ai pris le wrap, j'ai mis le crémeux de maïs qui me restait, j'ai mis les tomates, j'ai mis des tranches d'avocat, hop. Et c'était plié. Voilà, c'était un repas très rapide, fait en 2 minutes chrono. C'était très bien pour moi. Du coup, bah, je vous laisse avec la suite. Alors, pour ce nouveau repas, j'ai décidé de faire un makis bowl. Tellement plus pratique que de faire des makis, c'est tellement plus rapide et tout aussi bon. Donc là, un super mix avec le riz vinaigré, de la carotte râpée, des concombres, des edamame et de l'avocat, le tout saupoudré d'une super sauce et surtout le crémeux qui est la crème cheese version sriracha. Waouh, juste trop waouh. Et pour rajouter le côté algue, j'ai préféré mettre ce petit mix qui est sésame et algue et qui est vraiment très très bon. Bon, je vous fais ma petite conclusion dehors parce qu'on a enfin la chance d'avoir un beau temps et pas trop de vent parce que cette semaine, c'était clairement une horreur. Entre la pluie et le vent, franchement, même si je voulais filmer dehors, c'était pas possible. J'en profite pour vous montrer un peu la bête aussi. Harry ! Harry ! Eh, qu'est-ce que tu manges, toi ? Viens ici ! Allez ! Donc pour info, il va beaucoup mieux. Hein. On a fini le traitement, il est guéri, il n'y a pas de soucis. Il reste juste un petit quelque chose sur sa queue parce qu'en fait, ce con, il s'était mordu la queue trop fort. Et du coup, il s'est fait un trou en fait qui s'est infecté. Et voilà, donc là, il reste encore une petite croûte et encore une toute petite boule. Donc on continue à désinfecter, mais rien de méchant. Du coup, je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer autant de recettes que je l'avais espéré parce qu'à l'origine, je voulais faire 4 recettes par jour, donc pour le petit-déj, déjeuner, goûter, dîner. Donc 4 sur 5 jours, donc ça faisait 20 recettes. Au final, il n'y en a eu que 13. Bon, c'est déjà pas mal, hein, mais il faut dire que j'ai eu une semaine assez dense et complètement décalée. Pour vous dire, là, il est 11h30 et j'ai toujours pas pris mon petit-déjeuner. En même temps, je me suis réveillée à 10h et ce matin, j'ai eu du mal. Franchement, j'ai vraiment eu du mal à émerger. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué vu que mon mari était moitié jour, moitié nuit, donc il était complètement décalé. Il se réveillait à minuit, il se recouchait à 4h de l'après-midi. Voilà, donc moi du coup pour travailler ou pour filmer, ça a été un peu la galère. Donc c'est pour ça que je vous ai fait une voix off plutôt pour vous montrer les plats. Parce que finalement, j'ai pas eu beaucoup de moments où je pouvais parler en fait. D'ailleurs, même là, à l'heure actuelle, il dort encore. Donc c'est pour ça que je l'ai fait dehors pour la conclusion. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo vous a plu et que vous avez apprécié voir tous les repas de Lloyd Lang. Du coup, vous retrouverez en barre d'infos la plupart de ses recettes puisqu'en fait, je les ai vues sur sa chaîne YouTube. Alors, quelques-unes, ce sont les vraies recettes et les autres, ce sont les mêmes mais avec des différences quand même. Mais après, c'est assez léger, donc si vous voulez reproduire les recettes, il n'y a pas de soucis.
En tout cas, bah finalement, j'ai pas pu finir tout son livre. Il me reste encore pas mal de recettes à tester. Donc si jamais une édition 2 de cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sinon, entre-temps, je ferai bien sûr la semaine en assiette spéciale La Petite Okara, puisque c'est le deuxième choix que vous avez choisi dans le sondage Instagram et YouTube. Du coup, tu dis au revoir, Harry? Tu dis au revoir? Hein? Tu dis au revoir? Non, tu veux courir, hein? Allez, viens. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao! Harry! Harry! Tu viens? Allez, viens! Allez! Je m'en vais!